Alors, pour ce début d'année, un merveilleux cadeau. Cette vidéo pour être motivé pour vivre une année exceptionnelle et pour réussir votre vie. Alors, comment programmer votre esprit? Voilà, parce que moi, je suis toujours effaré de voir que les gens se préparent, en fait, à échouer avant d'avoir commencé. Les gens ont échoué dans leur esprit avant de commencer. Voilà. Je vais faire un exercice. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Olivier. Comment vas-tu? Bien. Bien. Voilà. Est-ce que tu as un projet particulier qui te tient à cœur? Oui. Ok. Ce projet, il est dans un objectif à combien de temps? Immédiat. Immédiat. Ok. Aujourd'hui, quand tu penses à ce projet, à cet objectif, sur une échelle 0 à 10, 10, le projet est obtenu. 0, c'est rien du tout. Tu te situes à combien? 3-4, ok. Qu'est-ce qui te manque pour atteindre ce projet? Et je vais reprendre un peu ce qui est derrière. C'est un comportement différent, des capacités que tu crois ne pas avoir, des croyances qui te bloquent, le fait de ne pas te sentir légitime ou d'avoir les compétences. Légitimité, oui. Légitimité, identité, oui. Et quand tu te sens pas légitime, tu crois que tu peux pas y arriver. C'est pas ça. Et tu crois que tu n'as pas les capacités. Oui, j'ai pas les capacités. C'est ça. Pas assez. Et tu crois que tu pourras pas avoir les bonnes attitudes et bons comportements pour le faire. Oui. C'est ça. Tout dans le niveau logique de Diels démarre toujours du point le plus haut. Ok, alors, tu penses que tu n'as pas la légitimité, donc tu penses que... Ce qui est incroyable, c'est le nombre de personnes que je rencontre qui pensent ne pas pouvoir avant d'avoir essayé. Pas vrai? C'est vrai. Donc, je n'ai pas essayé, je ne sais pas si je peux, je ne sais pas si j'ai les capacités, mais mentalement, je pense que je n'ai pas les capacités. C'est quand tu vas faire que tu vas te confronter et pouvoir te challenger, augmenter les capacités. Puisqu'en fait, s'il y a un événement qui arrive qui n'était pas prévu dans ton écran radar, que l'écran tu le situes comme un problème de niveau 7 ou 8, c'est pas un problème. C'est un challenge pour te faire grandir au-delà de 7 ou de 8. Il n'y a pas de problème si tu es plus grand que le problème. Il y a un problème si tu es plus petit que le problème. Là, ça devient un problème. L'événement n'est jamais un problème. Il est un problème quand tu es plus petit que le problème. Et si tu grandis plus que le problème, tu le vois d'en haut, il n'y a plus de problème. Tu comprends? Oui. Ok. Alors, comme tu ne sais pas si tu peux, parce qu'en fait, tu te dis « je ne peux pas », c'est ça. Je vais te montrer qu'on peut faire des choses en se disant mentalement qu'on ne peut pas. Et je vais te demander, puisque tu es à 3 ou 4, dis-moi plutôt si tu es à 3 ou 4 par rapport à l'objectif. 4. 4, ok. Ce que je voudrais, c'est que tu fasses quelque chose en te disant mentalement « je ne peux pas », mais tout en le faisant. Regardez, il est dans un état d'hypnose. C'est ça que je cherche à faire. Par rapport à une situation où tu es en deçà, et regardez, il est en focus interne, il se passe des choses. Il a confusionné parce que le cerveau gauche a annoncé quelque chose, tandis que ses mouvements, régis par le cervelet, tronc cérébral, cervelet, c'est la partie cerveau droite aussi, qui fait les mouvement physiologique, est en train de faire le contraire que dit son cerveau gauche. Donc là, il s'est passé une sacrée confusion. Et je vais te demander là, maintenant, Jean-Jacques, quand tu penses à ton objectif, tu étais à 4 de réalisation. Tu as combien maintenant de réalisation? 7. Et je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait de motivation. Je n'ai pas fait de suggestion, j'ai simplement fait un exercice pour déprogrammer
sa croyance limitante du cerveau gauche qui l'empêche de passer à l'action parce qu'il croit qu'il n'en est pas capable. Et donc, je vais utiliser la résistance de la personne en disant, voilà, bah, écoute, tu vas faire ce que tu crois ne pas pouvoir faire, ce que tu affirmes. Et si je le fais faire une minute de plus, on va le faire une minute de plus. Mais à haute voix, je n'ai besoin de rien faire, regardez, il est en focus. Il se passe plein de choses en interne. Et tout est comme ça dans la vie. C'est de voir que des gens annoncent des choses qui sont des diktats, qui sont des décrets qui se mettent sans avoir tenté. Alors, Jean-Jacques, tu vas lire. Ouf. Tu es obligé de faire en sorte, il faut que le volume augmente, que la personne soit, elle ait le ton qui change, soit qu'elle soit, si tu veux, essoufflée. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit pas mentalisé, il faut qu'elle crie, il faut la faire monter, compter plus fort, plus haut, aller plus vite, parce que ça fait une saturation. Maintenant, Jean-Jacques, tu étais passé de 4 à 7. Quand tu penses à ton objectif, tu es à combien? 8. Super. Je pense même que c'est encore en train de monter. Parce que si tu fermes les yeux pour défocaliser et penser à ton objectif, là, tu es à combien? 5. Objectif atteint. Et c'est là que je vais faire de l'hypnose. Donc moi, quand je fais du coaching neuro-émotionnel, j'en ai parlé, c'est des techniques comme ça que j'utilise avant. J'ai plein de techniques que j'ai mis au point. Alors, j'ai plusieurs niveaux de coaching niveau émotionnel. Je fais du coaching neuropsychique, je fais du shadow coaching pour aller travailler les peurs. Ça, c'est d'autres niveaux, etc. Mais des techniques comme ça qu'on verra en juin, ça fait exploser. Sans rien faire, uniquement pour que la personne fasse le contraire de ce qu'elle dit, qu'elle dise qu'elle fait le contraire de ce qu'elle pense. Et tu fais exploser par une confusion. Au lieu d'utiliser la confusion pour entrer en hypnose, dans les techniques ericksoniennes, j'utilise la confusion que je vais lui créer en faisant croire qu'il ne peut pas faire tout en faisant, pour en fait l'amener dans un état de transe au niveau de son objectif. Et c'est derrière que c'est atteint, je peux lui faire un ancrage et que je vais faire de l'hypnose pour verrouiller ça. L'hypnose pour moi n'intervient qu'après le coaching. Du coaching mental, neuro-émotionnel, neuro-psychique ou neuro-énergétique, parce que j'ai plusieurs niveaux que je me suis créé, ça n'intervient l'hypnose qu'après pour verrouiller. Voilà. Mais comme l'hypnose a une problématique pour moi qui est importante, c'est que la personne attend du thérapeute, elle ne fait pas des choses derrière après, et la problématique, c'est que les schémas neuronaux, un, il faut les créer, les renforcer par une pratique, par effectivement, on va dire un rituel quotidien à faire pour créer les connexions, mais après il faut la prendre, cette autoroute neuronale. Voilà. Et donc, je ne suis pas responsable que la personne prenne ou pas. Donc, comme l'hypnose, elle va se créer plein de choses et le subconscient ne voit pas la différence entre ce qui est vu et ce qui est réel, ce qui est imaginé et ce qui est vécu, la problématique, c'est que la conscience n'est pas là. L'hypnose met la conscience en veille pour renforcer le cerveau droit. Ce qu'il faut, il faut utiliser les deux. Donc, l'anamnèse qu'on verra cet après-midi, moi je l'ai modifiée quand je fais maintenant toutes les choses, parce que je suis plus dans l'accompagnement sportif-artiste, les leaders de MLM, comme je disais, pour les programmations financières, je ne suis plus dans la thérapie, donc je ne cherche pas à permettre aux gens de guérir ça, je cherche à les faire changer et à faire exploser différents blocages, différents verrous qui sont sur cette pyramide. Voilà, c'est comme ça que j'ai conçu maintenant mon accompagnement. Mais voyez, sans rien faire, juste en faisant ça, et tu peux le faire tous les jours. Vous voyez, il n'est pas revenu, hein? Il n'est pas revenu. J'ai fait de l'hypnose incroyable, avec un truc simple où je ne l'ai même pas guidé. J'ai juste provoqué le starter que j'ai accéléré. Ce que je veux, c'est déprogrammer la route neuronale qu'il avait jusqu'à présent, qui l'a mené à croire que s'il était à 4 sur 10 et qui fait que ça n'aurait pas marché.
Donc moi, le coaching, c'est des prises de conscience, c'est des déprogrammations de fils que la personne a, et c'est ce que je vais vous expliquer dans la vidéo suivante, parce que pour moi, les personnes extraordinaires, elles sont des personnes ordinaires. Tous les gens que je côtoie, les champions du monde, d'Europe, champions olympiques, ce sont des gens ordinaires. Ils ne sont pas extraordinaires. Simplement, c'est qu'ils ont cette capacité à connecter les zones du cerveau qui sont extraordinaires. Et les gens qui n'ont pas une vie extraordinaire ou pas des résultats extraordinaires, c'est parce qu'ils ont cette faculté à connecter les zones du cerveau qui ne sont pas extraordinaires et à rester dans l'ordinaire. Donc je crois vraiment que dans chacun, il y a cette lampe d'Aladin, il y a ce génie. Simplement, il faut apprendre à le connecter. C'est tout. Vous avez tous un génie en vous, mais que vous n'avez pas encore connecté. Ou certains ont commencé, certains l'ont fait. C'est ça qu'il faut connecter. Voilà, c'est comme ça que je vois mon métier. Merci, Jean-Jacques. Séminaire riche en émotions. Un enseignement ultra puissant, on est passé vraiment à un autre niveau, là on est version 2.0. Voilà. Bravo vraiment Olivier qui a fait un super boulot. Bon, à la fin de ce séminaire, je tiens à remercier Olivier Madelrieux pour tous les enseignements qu'il nous a transmis. J'ai pu ressentir au cours de cette journée ma physiologie changer, ma colonne vertébrale se redresser. Et ces enseignements, je les garderai toute ma vie. Donc, ben, je voulais vous dire que je suis en gratitude totale, juste pour le fait de pouvoir rencontrer des personnes comme M. Madelrieux, Olivier. Une personne très humble, avec des enseignements qui sont hors de prix, qui sont très accessibles, très digérables, et vraiment qui peuvent vous faire passer à un niveau supérieur de conscience personnelle, d'évolution. C'est clairement un enseignement qui n'a pas de prix et qui est extraordinaire. Je vous conseille de tout mon cœur et fortement de participer à ce genre de séminaire. Vous allez sentir tout de suite la puissance qui va vous envahir, en fait, clairement. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Suivre un super séminaire avec Olivier. Vraiment, c'était du très haut niveau. J'ai l'habitude de faire pas mal de développement personnel, mais là, les choses se sont vraiment mises en place pour moi. Non seulement j'ai compris beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de compréhension nouvelle, de choses que je comprenais déjà, mais avec les connaissances géniales qu'a Olivier, ça a vraiment mis les choses en place. Et on a fait beaucoup, beaucoup d'exercices aussi qui m'ont aidé à passer vraiment à un autre niveau, à me libérer de blocages et à devenir vraiment un aimant à ce que je veux attirer dans la vie. Voilà. Donc merci beaucoup à Olivier et je vous encourage à venir faire ce séminaire aussi. Intéressant et j'encourage vraiment les gens à venir à tes séances. Voilà. Je te remercie encore beaucoup et à bientôt. Je suis pleinement satisfaite de l'ensemble des formations suivies avec Olivier. D'une part, parce que ce sont des formations très complètes, avec beaucoup d'explications concernant les protocoles, mais aussi des exercices pratiques qui nous permettent d'intégrer au maximum toutes les données théoriques. Par ailleurs, je désire souligner également la qualité des supports théoriques, des classeurs qui sont extrêmement complets, très bien écrits, avec moult données, que ce soit au niveau anatomique, physiologique ou reprise des protocoles. Par conséquent, venez. Vraiment, ce sont des formations top. Alors moi, je n'ai qu'une chose à dire, absolument extraordinaire. Il y a différentes formations qui existent. Le plus dur, effectivement, c'est de trouver la formation, mais là, c'est THE formation. Excellente journée, approche géniale. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, une journée riche, intéressante, approfondie. Je reviendrai. Bon, superbe. Merci.